Monsieur Loggia, bonjour Monsieur Claudel. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à l'évaluation. Qu'est-ce qui change cette année à la rentrée 2016? Alors, il existe depuis 2015 un nouveau socle commun, programme des programmes, ainsi que des programmes disciplinaires. Et tous réaffirment l'importance d'une évaluation par compétences et d'un suivi quotidien des progrès des élèves. Très bien, mais comment est-ce que ça se met en place dans l'établissement et quels outils vous utilisez? Alors, apprends d'abord que nous favorisons une évaluation positive au service des apprentissages. Une évaluation positive, simple, lisible, qui encourage les progrès des élèves, qui soutient leur motivation et qui les encourage également à plus d'autonomie. Mais alors, c'est quoi l'évaluation positive? Alors, c'est une évaluation qui met en lumière les marges de progression, aussi bien que les progrès déjà réalisés. Donc ça implique, de la part de l'élève, une démarche active. Il est acteur de son évaluation. Il se connecte fréquemment sur sa coche pour voir le résultat des évaluations. Et ainsi, il se familiarise avec les compétences qui ont été évaluées. Du côté des parents, alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils suivent les progrès de leurs enfants? Grâce à sa coche, qui existe déjà dans l'établissement. Qu'est-ce qu'on trouve sur sa coche? Le bilan de l'acquisition de chaque compétence. A noter que du cycle 2 au cycle 4, c'est-à-dire du CP à la 3e, c'est sur sa coche que l'on trouve les informations liées à l'évaluation, et plus sur GPI, comme c'était le cas au collège jusqu'à maintenant. Mais les parents, est-ce qu'ils peuvent avoir une vision globale des progrès de leurs enfants? Sa coche est un outil de suivi de l'acquisition des compétences, donc au jour le jour. Les parents peuvent se connecter via le portail de l'établissement chaque jour pour voir un petit peu les résultats des évaluations de leur enfant. Mais ils peuvent aussi, à certains moments, générer une synthèse des compétences et par discipline. Mais les familles, à la fin, est-ce qu'elles reçoivent tout de même un bulletin? Elles reçoivent un bilan périodique. Et sur ce bilan périodique, elles pourront trouver un bilan de l'acquisition des connaissances et des compétences, ainsi qu'une appréciation dans chaque discipline. À noter que pour le niveau 6e, il n'y aura pas de moyenne chiffrée qui apparaîtra donc sur ces bilans périodiques, tandis qu'elle sera présente sur les bilans périodiques de 5e, 4e et 3e, c'est-à-dire pour le cycle 4. Très bien, bah merci beaucoup pour cette explication sur l'évaluation au lycée français Alexandre Vierzon. Merci.